Rachid Habachou, le premier expert de diamant en Afrique et dans le monde arabe. La lance d'Alice est un minéral qui, avec le diamant et le graphite, l'une des trois formes cristallisées naturelles du carbone. Le lance d'Alice vient de Kathleen Lonsdale, 1903-1971, cristallographe anglaise. La lance d'Alice est l'allotrope hexagonal du diamant. Ok, mais ne soyez pas très content. C'est pas un diamant. Et il y a beaucoup de gens qui me contactent, me disent, voilà, j'ai un lance d'Alice que je vais vendre avec 1 million, 2 millions de dollars. Ouh! Bon, soyons plus clairs. On n'a pas encore un acheteur de lance d'Alice jusqu'à présent. Et qui a un acheteur qui me contacte. Parce qu'il y a beaucoup de lance d'Alice, quand même. C'est un phénomène nouveau pour la science. On n'a pas beaucoup d'informations sur cette pierre. Ce qu'on sait, c'est une pierre incassable. C'est une pierre considérée avec beaucoup de caractéristiques du diamant. Mais quand on parle scientifiquement, géologiquement, ça ne veut pas dire la même chose au niveau commercial et financier. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة